Nous te rendons grâce, Père de Jésus-Christ et notre Père, pour ton Fils, notre Sauveur. Par son passage à travers la mort, il a orienté notre voyage définitivement vers la vie. Et nous t'en prions, que la joyeuse nouvelle de sa résurrection demeure brûlante en nous, qu'elle nous accompagne comme une parole et une musique obstinée, qu'elle transfigure notre vie et nous accompagne dans notre patient pèlerinage de chaque jour. Amen. La grâce et la paix vous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons aujourd'hui pour recevoir de lui force, paix et espérance. Amen. Je suis heureux de vous retrouver depuis la galerie de la cathédrale aujourd'hui pour ce culte que nous avons préparé avec Vincent Thévenat et Serge Hilgue. Notre communion est peut-être virtuelle, mais elle est bien réelle ce matin. Et cet ensemble, uni par la même espérance que nous voulons nous placer devant Dieu. Et je vous invite à entrer dans notre louange en priant avec les premiers versets du psaume 25. Seigneur, je suis tendu vers toi. Mon Dieu, je compte sur toi, ne me déçois pas. Aucun de ceux qui t'attendent n'est déçu, mais ils sont déçus, les traîtres avec leurs mains vides. Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur. Enseigne-moi tes routes. Fais-moi cheminer vers la vérité et enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Je t'attends tous les jours. Amen. Et ce même psaume, je vous invite à le chanter. C'est au numéro 15 du recueil Psaumes et Cantiques. Je vous invite à la prière. Quand tu es là, s'éboulent les montagnes d'impossible.
les grandes eaux ouvrent leurs bras pour nous livrer passage, et le caillou du cœur se mue en fontaine qui chante. Quand tu es là, la main d'un ange console en plein désert. Avec 5 pains et 2 poissons, on peut t'offrir un festin, et le caillou du cœur déborde en couffin de tendresse. Quand tu es là, nos yeux s'ouvrent sur d'inouïes merveilles, nos oreilles de sourds entendent jusqu'à l'invisible, et le caillou du cœur, comme un cristal, rend la lumière. Quand tu es là, il se redresse, le roseau qui ployait, le joug se brise, les murs s'effondrent, la pierre est roulée, et le caillou du cœur se fend sous ton souffle de Pâques. Amen. Avant d'écouter la parole de Dieu, recueillons-nous encore un instant dans la prière. Seigneur Jésus, la joie de Pâques a mis du temps à se frayer un chemin dans le cœur des disciples encore paralysés, déboussolés par l'incompréhension et la peur. Il a fallu du temps, du pain, du poisson. Il a fallu surtout ta parole dans leur monde nouveau, pour que la joie les envahisse à nouveau comme la lumière du matin. Alors nous te le demandons, Seigneur, parle-nous, ouvre-nous l'esprit à l'intelligence des Écritures et que notre joie nous fasse témoin de la vie toujours victorieuse. Amen. Nous lisons ce matin dans l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez? Lorsque je serai allé vous le préparer, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que là où je suis, vous serez vous aussi. Quant au lieu où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment en connaîtrions-nous le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Je suis avec vous depuis si longtemps, et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu, « Montre-nous le Père » Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Au contraire, c'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi, et si vous ne croyez pas ma parole, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. Amen.
Alors que nous commençons à parler de déconfinement et que dès demain, les écoles vont reprendre, les magasins rouvrir, les restaurants aussi, nous nous rendons bien compte que ce semblant de normalité qui revient, en même temps qu'il nous réjouit beaucoup, nous inquiète et nous interroge. Même les plus optimistes d'entre nous se rendent bien compte qu'on ne va pas pouvoir repartir comme ça, comme avant, comme si de rien n'était. Le monde d'avant, nous le connaissions bien avec ses joies, ses qualités, ses questions et ses défis. Le monde de demain demeure, lui, par essence, plein d'inconnus. Nous ne savons pas ce qui nous attend, mais nous n'avons pas d'autre choix que de nous y engager, fût-ce à tâtons. Le texte qui nous est proposé pour notre méditation de ce matin par le lectionnaire est un monstre sacré de l'Évangile, ce chapitre 14 de l'Évangile selon saint Jean, avec ses versets si connus comme « Je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne va au Père si ce n'est par moi ». Autant de versets magnifiques, mais pas si simples. Quelles sont ces demeures dont il est question? Qu'est-ce que la vérité? Mais une nouvelle fois, pour comprendre ce texte, il nous faut le replacer dans son contexte. Dans les versets qui précèdent, Jésus vient d'annoncer à Pierre que ce dernier allait le renier, ce qui provoque immédiatement l'indignation, l'incompréhension de Pierre. Un peu avant, après avoir annoncé la trahison de Judas, Jésus a informé ses compagnons qu'il ne sera plus avec eux pour très longtemps encore. Et les disciples ne comprennent pas. Ils ont peur de se retrouver dans un monde inconnu et hostile, seul, abandonné. La peur est du reste très présente dans ces chapitres de l'Évangile selon saint Jean. On peut même penser qu'elle est aussi celle des contemporains de l'évangéliste Jean qui, eux aussi, vivent une situation qui n'est pas tout simple et s'inquiètent pour leur avenir. À eux, hier, comme à nous aujourd'hui, à nous tous inquiets devant le monde de demain et les incertitudes qui nous accompagnent, Jésus dit « Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre, que votre cœur ne se trouble pas. » Pas facile à entendre, surtout lorsqu'on a l'impression de ne pas comprendre, de ne plus comprendre, d'avoir perdu ses repères. Tout ce qui faisait le quotidien des disciples, leurs habitudes sont en train de s'effondrer. Ils vont devoir apprendre à vivre autrement. Et on voit que ce n'est pas simple. Dans ces versets où tour à tour, Pierre, Philippe et Thomas manifestent qu'ils ne comprennent pas et leur incompréhension suscite presque de l'indignation, de la réprobation chez Jésus. Nos repères à nous aussi se sont effacés et sont tombés, mais comme un château de cartes. Ce qui nous semblait absolument impensable il y a encore peu de temps est devenu notre réalité quotidienne, comme le fait de ne plus pouvoir aller se promener aux salèves, de voir des milliers de personnes faire des heures de queue pour recevoir un cornet de denrées alimentaires, de ne plus pouvoir se déplacer ou se rassembler librement. Ça nous semblait complètement impensable. Ce qui faisait le cœur, le sel de nos existences, est tout d'un coup brusquement remis en cause. Les disciples sont déboussolés face à ce monde nouveau qui les attend. Encore une fois, tout ce qui faisait leur quotidien, Jésus leur annonce que ça va changer. Ils ont en quelque sorte perdu leur boussole. Ils ne retrouvent plus le nord. Ils ne savent plus comment faire pour avancer. Comme si la vie les avait menés dans une impasse. Le seul chemin qu'ils arrivent encore à percevoir, c'est celui d'un retour en arrière. Or, Jésus clairement leur dit que cela ne sera simplement pas possible. Pour eux, hier, comme pour nous aujourd'hui, le retour en arrière n'est jamais une option. Mais nous, nous avons cette chance par rapport aux disciples. Depuis ce premier matin de Pâques et la pierre roulée, nous avons cette confiance inébranlable que Jésus toujours et encore ouvre devant nous
un chemin de vie, même à travers ce que nous percevons comme des cul-de-sac ou des impasses très étroites. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nous dit le Seigneur. Et nous devons recevoir aujourd'hui ce verset si connu dans les circonstances particulières que nous traversons comme une promesse nouvelle, comme une espérance renouvelée que le Seigneur nous offre ce matin. Ces trois termes, le chemin, la vérité et la vie, il faut les garder ensemble. Car si Jésus n'était qu'au chemin, nous le traverserions pour aller ailleurs. S'il n'était que vérité, on risquerait d'en faire un dogme. Et ce verset me fait penser au passage des pèlerins d'Emmaüs. Les pèlerins d'Emmaüs, c'est comme une parabole en acte de ce verset de l'Évangile selon saint Jean. Les pèlerins d'Emmaüs, eux aussi, sont complètement déboussolés. Le monde dans lequel ils avaient tout misé vient de s'effondrer et ils errent sans trop savoir où ils vont et de quoi sera fait leur demain. Ils sont en chemin. Et sur ce chemin, Jésus les rejoint. Ils vont s'arrêter, il va leur expliquer les Écritures, ce qui leur donnera d'approcher, quelque sorte, la vérité. Et ce partage leur donne envie de retourner vers la vie. Chemin, vérité et vie. La vérité de l'Évangile, c'est à la fois un chemin et une vie. L'intelligence de la foi, ce n'est jamais de savoir, mais toujours de savoir chercher. Car la vérité n'est jamais absolue, encore moins figée ou complètement accessible. Elle fait toujours l'objet d'une quête. En ce sens, elle s'oppose au dogmatisme. Le dogmatique, c'est celui qui ne cherche pas parce qu'il n'a plus rien à trouver. Elle s'oppose au scepticisme. Le sceptique, c'est celui qui ne cherche pas parce qu'il ne pense qu'il n'y a rien à trouver. La vérité de l'Évangile nous fait cette promesse, nous conduire sur un chemin de vie. Mais pour chacune et chacun, ce chemin de vie va être particulier, singulier. Comme le dit si bien le verset 2 dans ce chapitre 14, « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. » Vous le savez, dans la tradition biblique, la maison, l'habitation, c'est le lieu par excellence de la présence de Dieu. Pensez à la tente de la rencontre dans l'Exode ou au temple de Jérusalem. Dès les psaumes et avec le Nouveau Testament, on voit que cette notion se spiritualise. La foi devient demeure dans le sens où on est invité à habiter sa foi, chacun à sa manière, chacun de manière singulière. Dans ce même chapitre 14, plus loin au verset 23, Jésus dira même « Si quelqu'un m'aime, nous établirons chez lui notre demeure. » La foi, c'est inviter Dieu à faire sa demeure en nous. Et avec lui en nous, alors nous croyons que nos impasses, nos confinements peuvent se transformer en chemin de vie. Dans ces trois chapitres propres à l'évangile de Jean, les chapitres 14 à 16, Jésus s'adresse à ses disciples dans ce qui peut être assimilé à une forme de testament ou de discours d'adieu. Et nous mesurons à quel point les disciples sont troublés par ce que Jésus est en train de leur dire. Un peu comme nous écoutons ces temps religieusement les annonces du Conseil fédéral, les disciples sont suspendus aux paroles de Jésus pour essayer de comprendre de quoi leur avenir va être fait. Mais nous peinons à savoir s'ils ont vraiment pu prendre la mesure de ce que Jésus leur annonce et des conséquences que cela va impliquer pour leur vie de demain. Dans ce même discours, Jésus les rassurera pourtant en leur affirmant « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous. Je vous ai dit cela pour que vous ne succombiez pas à l'épreuve. » Mais les disciples vont devoir affronter l'inconnu de temps nouveau et bien plus vite qu'ils ne le pensaient. Ils vont devoir se débrouiller seuls et autrement. Et ils le feront après
un temps de confinement où ils restent enfermés dans leur chambre haute, réfugiés, à l'abri du monde. Et c'est là, dans leur lieu de confinement, que le Seigneur vient alors les retrouver, là où ils sont confinés, pour les encourager à appréhender ce monde nouveau sans crainte, en découvrant que lui, le Seigneur, continue d'habiter ces temps nouveaux, qu'il ne cesse de les rejoindre et d'ouvrir devant eux un chemin de vie. Avec confiance, alors, ils peuvent s'y engager. Avec confiance, nous pouvons, nous aussi, nous y engager. Que notre cœur cesse de se troubler et de craindre. Amen. Je vous invite encore à la prière. Élargissons notre prière aux dimensions du monde. Seigneur,
J'aimerais ce matin te prier pour tous ceux qui vivent ce temps de confinement comme un temps de solitude pesant. Oui, ce temps ravive des blessures ou l'absence d'être aimé. Alors accompagne chacune et chacun dans ce temps qu'il et elle doit traverser. Nous te remettons celles et ceux qui affrontent l'épreuve de la maladie, mais aussi ceux qui sont confrontés à la douleur de la séparation et du deuil. La mort est toujours douloureuse, mais quand en plus on ne peut pas accompagner celles et ceux que nous aimons comme nous le souhaiterions, Seigneur, cela attise encore notre douleur. Alors, Seigneur, nous te remettons ceux qui sont dans la peine, que ta paix les touche. Seigneur, nous aimerions te prier aussi pour tous les écoliers et écolières qui vont reprendre le chemin de l'école demain, et te prier aussi pour les enseignants et tous ceux qui reprennent le travail. Nous te rendons grâce pour tous ceux qui ont continué à travailler pour nous permettre à tous de traverser ce temps tellement inédit. Et nous te prions aussi pour nos autorités qui doivent prendre des décisions parfois délicates, compliquées. Nous te demandons de les accompagner dans ce travail de discernement et de gouvernance. Et nous aimerions te prier pour tous les chrétiens, pour toutes les églises chrétiennes du monde entier, privées de culte, de célébration aujourd'hui, mais en communion étroite les uns avec les autres. Nous te prions pour nos églises ici à Genève, mais dans le monde entier. Et nous voulons te remettre particulièrement les communautés qui traversent non seulement l'épreuve du confinement et de ce temps inédit, mais aussi et de manière récurrente, un temps de souffrance, de violence, d'attaque. Alors Seigneur, nous te demandons de leur donner force, courage et espérance. Enfin Seigneur, nous te prions pour celles et ceux que nous aimons, qui nous sont chers et dont peut-être nous sommes privés pour l'instant. Alors Seigneur, veuille les accompagner, veuille nous accompagner dans ce temps. Et toutes ces prières, tout simplement, celles que nous venons de t'exprimer, celles qui sont restées dans le secret de notre cœur, nous les réunissons maintenant en te disant tous ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite encore à chanter le très beau cantique numéro 390 dans le psautier. Nous aussi, nous voici,
Prions encore le Seigneur. Seigneur, donne-moi la confiance. Donne-moi la confiance en ce jour nouveau, que dans la joie, je remette ma journée entre tes mains. Donne-moi la confiance lorsque la maladie me fragilise, que je trouve en moi la force de lutter. Donne-moi la confiance quand l'angoisse m'étreint, que je me sente à nouveau ancré en toi. Donne-moi la confiance quand j'ai peur de manquer, que je reçoive avec reconnaissance mon pain quotidien. Donne-moi la confiance lorsque je perds mon emploi, que je puisse trouver en toi le sens de ma vie. Donne-moi la confiance à l'instant de mon dernier souffle, que j'ouvre mon âme tout entière à ton éternité. Seigneur, donne-moi la confiance en toutes circonstances. Amen. Et avant de recevoir la bénédiction de la part de notre Seigneur, permettez-moi quand même de saluer ce matin tout particulièrement toutes les mamans en cette fête des mères, que cette journée, malgré peut-être la séparation, soit belle pour chacune d'entre elles. Et que la bénédiction de Dieu nous accompagne, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous gardent et nous accompagnent tous les jours. Oui, le Seigneur nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Amen.